Alléluia. Accepte nos offrandes ce matin. Nous venons offrir nos corps, Seigneur, comme un sacrifice de bonne odeur devant toi. Alors, Seigneur, accepte nos offrandes. Nous venons s'incliner. Nous venons te dire que nous sommes des pécheurs. Nous venons te dire que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous venons te dire que c'est toi qui es Dieu. Ce matin, nous venons te dire, Seigneur, ce n'est pas par nous-mêmes, mon Dieu. Ce n'est pas parce qu'on veut. Alléluia. Accepte mon offrande. Accepte nos offrandes, Seigneur Jésus, ce matin. Seigneur, ce matin, nous venons à toi, Jésus. Ce matin, nous venons à toi, El Shaddai. Ce matin, nous venons à toi, le lion de la tribu de Juda. Ce matin, Jésus, nous venons à toi. Toi, l'imbattable, toi, le misérable. Toi qui tiens nos vies entre tes saintes mains. Ce matin, nous venons, Seigneur, t'offrir à toi. Ce matin, nous venons à toi tel que nous sommes. Parce que si nous sommes réveillés ce matin, Seigneur, ce n'est pas parce qu'on veut, ça ne dépend pas de nous, mais c'est par ta bonté, Seigneur. Ça ne dépend pas de comment nous nous sommes dormis. Ça ne dépend pas de comment nous étions hier. Ça ne dépend même pas de notre consécration. Ça ne dépend même pas, mon Dieu, de notre façon de vivre. Ça ne dépend même pas, mon Dieu, mon roi, de nous, mon Dieu. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de toi, Seigneur. Nous ne sommes pas réveillés par nous-mêmes. Nous ne sommes pas réveillés par nous-mêmes, Jésus. Voilà pourquoi ce matin, nous venons t'offrir nos corps, nous venons t'offrir nos esprits, nous venons t'offrir notre âme, mon Dieu, mon roi, comme un parfum de bonne odeur devant toi, parce que c'est toi qui le mérites, Jésus.
Qui sommes-nous, Jésus? Qui sommes-nous, Seigneur, pour que roi de roi, pour que les seigneurs de seigneurs puissent prendre garde à nous? Oh, Jésus, tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Tu es miséricordieux, Seigneur. Alléluia. Il y en a rébauché. Parce que si tu regardais notre état, je crois que personne va se réveiller. Je crois que personne, mon Dieu, mon roi, va voir la journée d'aujourd'hui. Mais si, Seigneur, nous avons vu la journée d'aujourd'hui, c'est par ta bonté, c'est par ta miséricorde, c'est par ta grâce, c'est par ta volonté, Jésus. Alors, Seigneur, nous venons, Seigneur, nous venons. Ce matin, mon Dieu, nous venons, Seigneur, mon Dieu, devant toi. Nous venons devant toi, Jésus. Nous venons devant toi, Emmanuel. Nous venons devant toi, le non-interchangeable. Nous venons devant toi pour te dire merci, pour t'adorer, pour te célébrer. Alors, frères et sœurs, shalom chez vous. Shalom là où vous vous trouvez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci d'être là ce matin. Merci de se réveiller. Merci de se déplacer. Merci de prendre une bonne position. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons nous offrir notre vie devant Dieu avec un cœur reconnaissant que nous venons ce matin avec, devant notre Dieu. Avec un cœur plein d'amour, plein de bonté avec notre Dieu. Celui qui nous a réveillés. Celui qui nous a réveillés. Celui qui nous a donné la journée d'aujourd'hui, le 6 juin. 2023, le Seigneur a voulu que toi et moi, nous puissions vivre. Le Seigneur a voulu que toi et moi, et nos membres de nos familles, et nos enfants, et nos maris, mon Dieu, puissent voir la journée d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous voulons, c'est parce que Dieu veut. Alléluia. Yenda reboché. Je ne sais pas là où tu te trouves. Je ne sais pas là où tu te trouves. Je crois peut-être que tu es chez toi à la maison, où tu es déjà sorti, où tu es déjà dans le lieu du travail, où tu es dans le métro, où tu es dans ta voiture, dans le bus, dans le tram. Prends seulement une bonne attitude. Mets tes écouteurs. Alors prie le Seigneur. Notre Dieu qui écoute dans les secrets, il va t'écouter. Parce qu'aujourd'hui, nous venons devant notre Dieu. Nous venons se prosterner devant notre Dieu. Nous venons dire au Seigneur, Seigneur, prends ma vie. Seigneur, prends ma vie. Alléluia. Yenda reboché. Yekamando reboché. Yenda rababa. Alors, comme tu es réveillé, comme tu es là, alors invite à quoi à d'autres personnes de se connecter. Invite nos maris, invite nos enfants, invite les membres de notre famille, afin qu'ensemble nous puissions être là. Parce que nous sommes dans notre marathon matinal de prière. Là où nous venons courir, là où nous venons courir avec Dieu, là où nous venons courir avec Dieu, avec le Saint-Esprit, nous courons, alléluia, nous courons avec Dieu. Alléluia. Yenda rababa. Nous courons vers notre Dieu parce que notre Dieu a tout, parce que notre Dieu est là et notre Dieu aime la louange, notre Dieu aime l'adoration, bien-aimé. Commencez à bénir le Seigneur, commencez à dire merci au Seigneur. Je vous invite à bénir le Seigneur, à dire au Seigneur merci du fait qu'on est là, du fait qu'on est là, du fait que nous nous sommes réveillés. Alléluia. Yenda reboché. Yekamando roboshina. Yenda rabababa. Yekamando roboché. Yenda rabababa. Yekamanda rabababa. Alléluia. Tu es Seigneur Jésus-Christ. Tu es Seigneur Jésus-Christ. Tu es Seigneur. Seigneur, oh, tu es le roi, tu es le Seigneur. Tu es le roi, tu es le Seigneur. Tu es Seigneur Jésus-Christ. Tu es Seigneur Jésus-Christ. Tu es Seigneur, oh, tu es le roi, tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur. Je reconnais que tu es le roi, tu es le Seigneur. Je reconnais ta Seigneurie. Je reconnais, Seigneur Jésus, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. J'ai reconnu, alléluia, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui nous a créé et c'est toi qui nous a réveillé ce matin.
Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Jésus-Christ. Tu es vivant, oh, tu es le roi, tu es le Seigneur. Tu es le roi, tu es le Seigneur. Tu es Seigneur, mon Dieu. Tu es Seigneur, mon Dieu. Tu es Seigneur, oh, tu es le roi, tu es le Seigneur. Tu es le roi, tu es le Seigneur. Alléluia. Tu es le roi, tu es le Seigneur. Avec un cœur reconnaissant, avec un cœur reconnaissant, Seigneur, que je viens ce matin te dire que tu es Seigneur. Parce que moi, je sais une chose. Tu n'es pas Seigneur parce que nous disons que tu es Seigneur, mais tu es Seigneur par toi-même. Personne t'a voté, personne t'a élu, Seigneur, mais tu es Dieu. Tu es Dieu, alléluia. Yenda rababa che, yenda rekane boche kamanda rababa, yenda raba che kamanda raboche. Le véritable Dieu, le rocher des âges, El Shikeno. Et j'ai vu le Seigneur assis sur le trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient les temples. Alléluia. Les séraphins s'étenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Alléluia. Et je vis le Seigneur. Ça, c'est la parole des psalmistes. Il a dit, j'ai vu le Seigneur assis sur le trône très élevé. Pour Dieu que le Dieu, c'est son trône très élevé. Mais les pans de sa robe remplissent les temples. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Et que les pans de sa robe puissent remplir les temples que nous sommes. Partout où nous sommes, chez nous, à la maison. Si tu es au salon, si tu es dans ta chambre, si tu es dans le métro, si partout où nous trouvons, c'est les ponts. Notre temple est rempli de la gloire du Seigneur. Alors, comme notre temple est rempli de la gloire du Seigneur, alors, bien-aimés, bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Alors, adore-lui. Adorons-le. Louons-le. Dis-lui ce qu'il est, bien-aimé. Notre Dieu aime ça. Notre Dieu aime d'être adoré. Alléluia. Yenda rababa, yekamando roboche, yenda rebache kamando roboshina, yenda reboche, yekamando roboshi kamanda reboche. Notre Dieu est assis sur les trônes très élevés, mais les pans de sa robe remplissent le temple. Nous sommes remplis de notre Dieu, nous sommes remplis de notre Dieu. Partout où nous nous trouvons, nous sommes remplis de notre Dieu, nous sommes remplis de notre Dieu. Notre Dieu est là. Notre Dieu est là. Notre Dieu est là, ma sœur. Là où tu es, notre Dieu est là. Il est omniprésent. Il est là dans ta chambre. Il est là au salon. Il est là dans ton travail. Il est là dans ta voiture. Il est là dans les métros. Notre Dieu est là. Notre Dieu est là, bien-aimé. Notre Dieu est là. Alors je t'invite de t'incliner, de dire au Seigneur, Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Je viens, Seigneur. Je viens, Seigneur, avec tout mon corps, tout mon âme, tout mon esprit devant toi. Je viens courir devant toi parce que je sais qu'en dehors de toi, il n'y a pas la vie. Parce que je sais qu'en dehors de toi, il n'y a pas la paix. Parce que je sais qu'en dehors de toi, Seigneur, il n'y a rien, mais je suis venu vers toi. Je suis venu vers toi ce matin. Je suis venu vers toi ce matin parce que tu as tout. Parce que tu as tout. Parce que tu as tout, Jésus. Alors je suis venu. Je suis venu me prosterner. Je suis venu t'adorer. Je suis venu te louer. Je suis venu te dire merci. Alléluia. Je suis venu te dire merci.
Oh, nous sommes venus dire merci à notre Dieu. Nous sommes venus dire merci à notre Dieu. Les matins venaient venir, j'ai regardé ma vie. Elle respire. Alléluia. J'ai dit gloire au Seigneur. Ce n'est pas, cela ne dépend pas de moi. Cela ne dépend pas de nous. Regarde tout autour de toi. Regarde tes enfants. Regarde ton mari. Ils se sont réveillés. Ils sont en bonne santé. Il y a de quoi bénir le Seigneur bien-aimé. Regarde seulement ce qui se passe tout autour de nous. Cela nous pousse à remercier le Seigneur. Cela nous pousse à adorer notre Dieu. Cela nous pousse à élever notre Dieu. Cela nous pousse à aller plus loin avec notre Dieu. Parce que notre Dieu est là. Yenda reboshi. Yekamando roboshinda. Yendare kamando roboshe. Alléluia. Oh Yahweh. Yendare boshe. Yekamanda rababa. Yendare boshinda rababa. Bien-aimé, adore notre Dieu. Je t'invite à adorer notre Dieu. Je t'invite à lui dire merci. Je t'invite à dire à notre Seigneur, c'est toi qui mérites d'être élevé, c'est toi qui mérites d'être couronné de gloire. Et cela ne dépend pas de moi, cela ne dépend pas de moi, mais cela dépend de toi. Oh Yesu, Yesu, Jésus de Nazareth, tu es dans nos maisons, tu es partout où nous sommes. Ce matin, nous venons vers toi, nous venons courir vers toi, nous venons courir vers toi. Nous sommes venus reconnaître que nous sommes petits. Alléluia. Oh Yahvé, avec notre petitesse, nous venons à toi, nous venons à toi ce matin, nous courons vers toi pour te dire que c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui mérites la louange. Nous sommes réveillés pour toi, nous sommes réveillés pour toi. Ce n'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas par nous-mêmes, Seigneur, mais nous sommes là pour toi. Tu nous as réveillés, tu nous as réveillés, tu nous as donné ta souffre de vie, tu nous as donné ta souffre de vie. Alléluia. Yenda reboche, nous venons courir devant notre Dieu, un Dieu là à la colère, un Dieu riche à bonté, un Dieu qui nous remplit de sa présence, un Dieu qui nous remplit de lui. Alléluia, un Dieu qui habite à nous, un Dieu qui habite à nous. Quel est ce Dieu merveilleux? Alléluia. Yenda reboche. Yenda reboshi, kamanda reboshi. Nous voyons les hommes de ce monde, le roi de ce monde, le président de ce monde. Ils ont des gardes-corps. Ils ont des gardes-corps. Alléluia. Ils ont des gardes-corps partout. Mais nous, notre Dieu, c'est lui qui veille sur nous. Il est notre garde-corps. Alléluia. Un roi qui... un roi qui a accepté notre souffrance, qui a accepté d'être pendu au bois pour nous. Alors il nous surveille encore. Alléluia. Yenda reboche. Yekamanda rababa. Il vit en nous. Il vit en nous. Alléluia. Yenda reboche. Yekamanda roboshinda. Yenda rekakaka reboche. Yenda rabache. Manda reboche. La nuit quand nous dormons, nous disons Seigneur, nous nous abandonnons entre tes sentiments. Seigneur, protège. Protège-nous, Seigneur, protège-nous contre toutes les attaques de l'ennemi. Alors que les autres, et ils sont protégés par les hommes, nous nous sommes protégés par Jésus-Christ. Nous nous sommes protégés par Jésus-Christ. C'est lui qui nous tient, c'est lui qui nous tient, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui calme la tempête de notre vie. Oh, quel est ce Dieu merveilleux, un Dieu merveilleux, un Dieu là à la colère, un Dieu riche à bonté, un Dieu de foi. Nous demandons même pas, des fois nous ouvrons même pas notre bouche pour demander quelque chose, mais tu le fais. Tu le fais, Jésus. Tu le fais. Des fois, tu nous précèdes avant même que nous puissions ouvrir notre bouche pour te demander, pour te demander. Mais tu le fais déjà. Voilà pourquoi ta parole nous dit, toi, tu sondes le cœur et les reins. Tu connais les profondeurs de notre cœur. Alléluia. Bien-aimé, adore notre Dieu. Un Dieu qui connaît les profondeurs de ton cœur. Un Dieu qui connaît ce qui se passe dans ton cœur. Un Dieu qui sait que tu as un problème. Un Dieu qui sait que tu as besoin de la solution. Un Dieu qui sait que tout ce qui te tracasse, la solution, ça se trouve en lui. C'est notre Dieu. Alléluia. C'est lui qui peut faire ça. C'est lui qui peut faire ça. Yenda reboche. Yekamando roboshinda. Adore ce Dieu. Louons ce Dieu. Remercions ce Dieu. Un Dieu merveilleux. Un Dieu là à la colère. Un Dieu qui n'a même pas regardé ce que tu as fait hier. Ce que nous avons fait hier. Ce que nous avons fait hier. Il n'a même pas regardé cela. Mais il a donné. Il nous a donné
sa souffre de vie. Il nous a donné sa souffre de vie. Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu bien-aimé? Un Dieu là, la colère. Un Dieu riche à bonté. Un Dieu qui ne regarde même pas ce que nous avons fait. Alléluia. Mais toi et moi, il nous donne sa vie. Nous ne sommes pas meilleurs, bien-aimés. Nous ne sommes pas meilleurs. C'est par sa bonté, c'est par sa fidélité que nous sommes là. Yenda reboshi. Yekamando reboshinda. Yenda rababa. Yekamando reboshinda. Yenda rebashe kamanda reboshin. Halekekeke reboshinda. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu resteras Dieu. Comme personne t'a élu Dieu. Tu es semblable à personne. Tu es semblable à personne. Tu es semblable à personne. Tu es Dieu par toi-même. Tu décides par toi-même. Alléluia. Tu contrôles toutes choses. Quand toi tu fermes, personne ne peut ouvrir. Quand toi tu ouvres, personne ne peut fermer. Ça c'est notre Dieu. Ça c'est notre Dieu. Un véritable Dieu. Un véritable Dieu. Un Dieu, quand tu te lèves, nos ennemis se dispersent. Alléluia. Yenda reboché. Yekamando reboshinda. Yenda rabababa. Mais regarde-toi, regarde ta famille, regarde ce que là où tu es, remercions le Seigneur bien-aimé, adore notre Dieu, dis au Seigneur, Seigneur, merci, merci pour la journée d'aujourd'hui, du 6 juin, un mardi, merci pour cette journée, nous n'en méritons pas, nous ne méritons pas, mais c'est par ta grâce, mais c'est par ta volonté que tu nous donnes, que tu viens de nous donner encore la journée d'aujourd'hui. Alléluia. Yenda reboché. Yekamando reboshinda. Yenda reboché. Yekamando reboché. Yenda rababa. Juste bien-aimé, adorons le Seigneur. Juste en adorant notre Dieu. Juste en louant notre Dieu. Il y a des solutions qui vont changer. Il y a des solutions qui vont changer. Parce que notre Dieu aime la louange. Notre Dieu aime l'adoration. Notre Dieu, il travaille quand il y a la louange. Quand il est honoré. Quand il est élevé. Là, il agit encore. Ne regarde pas ta situation, mais non, ne regarde pas ce que tu es en train de traverser, mais dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Merci de ce qu'il t'a fait. Merci de ce que tu es vivant. Commence à lui dire merci. Commence à lui remercier. Ton problème, il y aura la solution. Peu importe la durée de la nuit, le jour finira par paraître. Peu importe la durée de ta situation, la solution aura lieu. Parce que nous avons un véritable Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Un Dieu qui contrôle. Alors adore-le. Alors adore-le, bien-aimé. Alors remercie-le. Ne regarde pas de gauche à droite. Ne regarde pas que tu n'as pas d'argent. Je n'ai pas encore payé les loyers. Je n'ai pas encore payé mes factures. Loue le Seigneur. Louons notre Dieu bien-aimé. Louons notre Dieu. Adore notre Dieu. Dis-lui merci pour cette situation. Dis-lui merci. Merci Seigneur parce que j'ai ceci. Merci Seigneur parce que je n'ai pas ceci. Dis-lui. Dis-lui et on verra. Adore notre Dieu. Adorons, adore notre Dieu bien-aimé. Je vous invite à lui adorer, de lui dire quelque chose. Dis Seigneur, merci parce que tu as permis cela. Seigneur, merci parce que tu as voulu que je puisse vivre. Merci Seigneur Jésus parce que tu as réveillé mes enfants. Tu as voulu que mes enfants vivent. Alléluia. Oh Yahvé, notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il le fait quand il veut, où il veut et avec qui il veut. Alors adore notre Dieu. Adore notre Dieu. Dis-lui ce qu'il est, bien-aimé. Dis-lui ce qu'il a fait pour toi. Dis-lui ce qu'il a fait pour toi. Il est là, la colère. Il est riche à bonté. Des fois, on était là, on n'a même pas marché comme le Seigneur a voulu. Mais toi et moi, on est en vie. C'est par sa grâce. C'est par sa bonté, bien-aimé. C'est par sa miséricorde. Alors adore. Même si tu es malade, là où tu te trouves, même si tu es à l'hôpital, même là où à la maison, tu n'arrives pas à s'élever du lit, tu n'arrives pas à boucher. Bien-aimé, adore notre Dieu. Bien-aimé, adore notre Dieu. Bien-aimé, adore notre Dieu. Notre Dieu aime la louange. Notre Dieu aime l'adoration. Alléluia. Voilà pourquoi sa parole nous dit,
L'Éternel est assis au milieu des louanges de son peuple. Là où notre Dieu est loué, c'est là où il est assis, bien-aimé. C'est là où il est assis. Quand il se sent loué, quand il se sent adoré, là il est assis. Alléluia. J'aime ce Dieu. J'aime ce Dieu merveilleux, bien-aimé. J'aime ce Dieu. Le Dieu qui s'est donné à la croix pour nous. Et il nous demande de le louer. C'est parce qu'il siège au milieu des louanges. Quand il est assis, à ce moment-là aussi, qu'il intercède pour nous auprès du Père. Parce que ta parole nous dit, notre Dieu est assis à la droite du trône du Père. Et il intercède pour nous. Alors, bien-aimé, louons notre Dieu. Louons notre Dieu. Si tu veux voir la situation changer, si tu veux voir ta situation puisse changer, si tu veux voir la situation de tes enfants puisse changer, si tu veux voir ta guérison, si tu veux voir le miracle, si tu veux expérimenter une autre façon de vivre avec notre Dieu, louons notre Dieu. Louons notre Dieu, bien-aimé. Louons-les, louons-les, adore-les, dis-lui ce qu'il est, dis-lui ce qu'il est, dis-lui ce qu'il est, bien-aimé, dis-lui, il attend que ça pour agir, il attend que ça, bien-aimé, pour s'élever, alors adore notre Dieu, il est là la colère, il est riche à bonté, regarde tout autour de toi, bien-aimé, notre Dieu est simple, regarde ce qu'il y a tout autour de toi, commence à lui bénir pour cela, il t'a conduit dans ce pays, il t'a donné des papiers, il t'a donné du travail, il t'a donné les enfants, il t'a donné une femme, il t'a donné un mari. Alors adore ce Dieu bien-aimé, dis-lui quelque chose, il a fait ça parce qu'il veut, ce n'est pas parce que toi tu veux, tu ne lui avais pas commandé, alléluia. T'as pas commandé notre Dieu de te réveiller. T'as pas dit au Seigneur, Seigneur, réveille-moi. C'est vrai, peut-être tu as fait la demande que le Seigneur puisse te protéger durant la nuit. Seigneur, qu'il fasse ceci pour nous. C'est bien, on a demandé, mais c'est sa volonté qui a fait que nous puissions nous réveiller. C'est sa volonté qui a fait que toi et moi, nous puissions vivre aujourd'hui. Alors adore ce Dieu. Même pour la souffrance de vie, bien-aimé, adore ce Dieu. Même pour le travail que tu as, adore ce Dieu. Pour tes enfants, adore ce Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Yenda reboshi. Yekamando roboshi narababa. Yekamando roboshi kamanda reboshi. Yenda reboshi narababa. Notre Dieu est merveilleux. Adore notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu aime l'adoration. Notre Dieu aime l'adoration. L'adoration, c'est la nourriture de notre Dieu. Il aime l'adoration. Il aime d'être loué. Il aime d'être exalté. Alléluia. Il est exalté. Le roi est au-dessus des cieux. Je vais les louer. Il est élevé à jamais exalté. Et j'ai loué ton Saint-Nom. Tu es Seigneur. Ta vérité régnera tout l'univers. Seigneur, tout l'univers se réjouit en toi. Parce que c'est toi qui es notre Dieu. Il est exalté, à jamais élevé. Oh, Shenda Reboshi. Yakamando Reboshi. Yenda Rebaba. Il est exalté. Le roi. Alléluia, notre roi est exalté, notre roi est exalté, sois adoré, sois béni Jésus, toi l'imbattable, toi le mesurable, toi le Dieu de notre salut, toi le Dieu de notre délivrance, toi qui nous as délivrés de là où on était dans le boue, de là où on était, tu nous as délivrés, tu nous as délivrés, tu nous as lavés, aujourd'hui tu as donné sens à notre vie, tu as donné sens mon Dieu, dans notre vie, Jésus. Alors, Seigneur,
Alors Jésus de Nazareth, nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci. Alléluia. Merci pour ta vie. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Autrefois, nous étions des pécheurs. Autrefois, nous étions des voleurs. Autrefois, nous étions des impudiques. Autrefois, on calomniait. Autrefois, on disait du mal des autres. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous as lavés. Tu nous as purifiés. Tu nous as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Alors Seigneur, mon cœur t'adore. Alors mon cœur t'exalte. Alors mon cœur te bénit. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es le Dieu saint, 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 le Dieu saint. Ta parole nous dit que tu ne connais même pas ombre de variation. Tu ne connais même pas ombre de variation. Tu ne changes pas et en aucun jour tu changeras. Et aucune situation peut te changer. Aucun problème peut te changer. Tu restes Dieu, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation, tu restes Dieu. Voilà pourquoi nous te bénissons. Voilà pourquoi nous t'adorons. Voilà pourquoi nous t'élevons, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu. Ton nom surpasse tout d'autres noms. Ton nom surpasse tout d'autres noms. Tu es l'imbattable, tu es l'imbattable, tu es le misérable. Tu ne changes pas, tu ne changes pas. Tu es Dieu, tu es Dieu. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Emmanuel. Gloire à ton nom, le lion de la tribu de Juda. Gloire à ton nom, le véritable Dieu. Tu es vêtu de fin lin. Tu es vêtu de l'autorité. Tu es vêtu de puissance. Alléluia. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Jésus. Mokotazalokolayo. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. C'est toi qui as transformé de l'eau en vin. Il n'y a que toi qui peux faire de telles choses. Alléluia. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Un Dieu puissant. Un Dieu puissant. Un Dieu qui sait voir. Alléluia. Même là où nous ne nous voyons pas, toi tu vois, Seigneur, parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce que tu dis est vrai. Tout ce que tu dis est vrai. Et tu veilles dans ta parole pour l'accomplir. Quel est ce Dieu qui veille sur sa parole? Alléluia. Nous voyons pendant des élections, les hommes sont là. Je veux faire ceci. Je veux faire cela juste pour être élu. Et juste après, il n'y a rien. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Mais notre Dieu, quand il dit dans sa parole, et tout ce qu'il dit, il accomplit. Il accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Il dit que... Il dit ce qu'il fait. Ce qu'il fait, il est dit. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Yenda reboche. Yekamando roboshinda. Yenda reboboche. Nous sommes toujours dans l'adoration. Je vous dis qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'adoration. Nous sommes dans l'adoration. Parce que notre Dieu aime l'adoration. Notre Dieu aime l'adoration, bien-aimé. Quand nous adorons, quand il se sent adoré, il fait des choses. Quand il se sent loué, il est là. Il intercède auprès du Père. Il dit, papa, regarde-moi, Sylvie. Regarde, Sylvie, il est en train de louer. Il est en train de me louer. Mais regarde son problème. Regarde son problème. Change sa situation. Alléluia. Yenda reboche. Ye kamando roboshinda. Yenda rababa. Ye kamando roboche. Yenda rababa. Bien-aimés, nous avons un Dieu vivant. 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 Un Dieu qui contrôle. Un Dieu qui prend soin de nous. Un Dieu qui s'occupe de nous. Eh, Yesu, on n'a jamais vu ça. Les hommes de ce monde, les présidents de ce monde, il y a des gens qui s'occupent d'eux. Ils ont des femmes de chambre. Ils ont des protocoles. Tout. Ils ont des gens qui font ça pour eux. Mais notre Dieu, qui est le roi de rois, le seigneur de seigneurs, c'est lui qui prend soin de nous. Oh, quelle merveille! C'est Dieu qui prend soin de nous. C'est Dieu qui prend soin de nous, bien-aimés. C'est lui qui nous surveille.
C'est lui qui nous donne ce que nous avons comme besoin. Alléluia. Yenda reboche. Yekamando roboshinda. Yekamando roboche. Yenda rababa. Yekamando robosheka. Yenda rebaba. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu vivant. Là, la colère, riche à bonté. Adore ce Dieu bien-aimé. Adore ce Dieu bien-aimé. Louons ce Dieu bien-aimé. Louons-le. Louons-le. Dis-lui ce qu'il veut. Dis-lui ce qu'il veut. Dis-lui ce qu'il a fait pour toi. Dis-lui, bien-aimé, je t'invite à lui dire quelque chose. Bénis notre Dieu, même pour tes enfants, même pour ton mari. Bénis-les. Bénis-les du fait que tu t'es réveillé. Bénis-les. Adore-les. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Seigneur, merci parce que je vis. Merci parce que je suis à bonne santé. Merci parce que tu m'as donné ta souffre de vie. Alléluia. Yenda reboche, yekamando roboshinda, yekamando roboche, yenda rababa, un Dieu capable, lorsque nous l'élevons, lorsque nous le louons, il change ta situation, bien-aimé. Là où tu te dis que je ne peux pas, le Seigneur peut. Là où tu dis que ça ne va pas marcher, le Seigneur va dire que ça va marcher. Alors louons-le, alors adore-le. Toi qui es malade, tu te sens, tu crois que tu vas mourir. Tu crois que tu ne vas pas être guéri. Louons notre Dieu. Commencez à le louer. Dis Seigneur, merci. Parce que tu es le Dieu qui guérit. Alors je m'attends à toi. Alors je m'attends à toi. Je te loue. Des fois que tu as guéri telle personne. Loue le Seigneur. Dis-lui. Même s'il ne t'a pas encore guéri. Mais remercie ce qui t'avait guéri l'autre fois. Dis Seigneur, n'est-ce pas toi qui m'avais guéri l'autre fois? Comme le roi Josaphat qui rappelait au Seigneur ce qu'il a fait pour lui. Quand il avait entendu qui au coquet au vent lui attaquer. Alors commence à rappeler à notre Dieu ce qu'il a fait, mais en l'adorant et en le louant. Dis au Seigneur. Dis au Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, mon fils, ma fille a une maladie. Je ne connais même pas d'où ça vient. Mais Seigneur, n'est-ce pas toi qui avais guéri Keren Swan a dit cancer? N'est-ce pas toi? Alléluia. Il y a de quoi, Seigneur, adorer notre Dieu, à remercier notre Dieu. Rappelez-lui ce qu'il avait fait auparavant pour toi. Oh Seigneur, je te bénis. Alors que j'étais malade à mort à l'hôpital, le médecin n'arrivait pas à me soigner. Il disait, c'est fini. Elle va mourir. Mais Seigneur, tu m'as guéri. Alors peu importe ce que je sens aujourd'hui, peu importe ce qui me tracasse aujourd'hui comme maladie, si autrefois tu m'avais guéri, je sais que tu peux encore me guérir aujourd'hui. Alors Seigneur, je te bénis. Alors Seigneur, je te rends grâce. Alors Seigneur, je te lève parce que tu n'as point changé. Tu n'as point changé. Si tu avais guéri hier, tu veux encore guérir aujourd'hui. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te lève du haut des cieux. Tu es pour moi un sauveur. Tu es pour moi un sauveur. Alléluia. Toi qui demandes des enfants au Seigneur, tu as un enfant ou tu as des enfants, tu veux plus. Dis Seigneur merci parce que tu m'as donné un enfant. Tu m'as donné la deuxième. Mais Seigneur, je veux la troisième. Même si ça n'arrive pas. Mais comme tu me l'avais donné, comme tu m'avais donné avant, je sais que par ta souveraineté, tu es encore capable de me les donner parce que rien n'était possible à toi. Alors adore notre Dieu. Alors adore notre Dieu. Dis Seigneur merci. Seigneur merci pour les enfants que tu m'as donnés. Et je sais encore que tu vas encore me donner encore. Louons notre Dieu. Adorons les bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes venus adorer notre Dieu. Et nous verrons comment les situations vont changer. Nous verrons comment les situations vont changer, bien-aimés. Les situations vont changer. Juste en adorant notre Dieu, juste en louant notre Dieu, juste à lui donner la place qu'il faut, il va changer notre situation. Il va donner la solution à nos problèmes. Il va donner les solutions à nos problèmes. Peu importe les problèmes, peu importe la situation, peu importe les difficultés, notre Dieu est capable. Alors, bien-aimé, adore ce Dieu. Adore ce Dieu. Dis-lui ce qu'il est. Dis-lui ce qu'il a fait. Il est là. Il est là. Il aime l'adoration. Il aime l'adoration. Il aime la louange. Quand il est adoré, lorsqu'il est loué, il est là. Il intercède. Alors, louons notre Dieu. Loue notre Dieu. Dis Seigneur, merci pour ce travail.
Bien que ça ne paye pas bien, mais Seigneur, je te loue pour ce travail. Je te loue pour ce travail. Je te loue pour ce travail. Je sais que comme tu m'as donné, tu peux me donner encore quelque chose d'autre de mieux. Qui va, là où je serai mieux payé. Seigneur, mais je te bénis. Je te rends grâce pour ce travail que tu m'as donné. Je te bénis pour le salaire que j'ai. Même si c'est petit, mais je te loue. Je te bénis pour ça. Parce que je sais que tu es capable de me donner encore plus. Parce que je sais, tu es capable de faire encore plus. Alléluia. Yenda reboche. Yekamando roboshina. Yekamando roboche. Yenda reboche. Yekamando roboshina. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable, bien-aimé. S'il a transformé de l'eau en vin, il peut aussi transformer la situation qui nous tracasse. Il peut encore changer les choses qui étaient mal. Il va les transformer en bien. Notre Dieu est capable. Alors adore-les. Adore notre Dieu. Dis-lui, c'est toi qui as créé les cieux et la terre. Tu as créé les étoiles. Tu as créé la lune. Tu as créé les eaux. Tu as créé, Seigneur, la forêt. Tu as créé toutes choses. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Et quand notre Dieu se sent loué, il fait. Il fait. Il travaille. Alléluia. Yenda reboché. Yekamando roboshinda. Yenda rababa. Yekamando roboshinda. Je sais pas qu'est-ce que tu as comme problème. Je sais pas là où tu as mal. Moi, je le sais pas. Mais le Seigneur le sait. Alors, dis à notre Dieu. Dis à notre Dieu. Loue notre Dieu. Dis, Seigneur, merci pour cette situation. Je sais que ça va pas rester éternel. Je sais que ça va changer. Parce que toi, tu es le Dieu qui change. Toi, tu es le Dieu qui nous transforme. Alors, Seigneur, je t'adore pour cette situation. Je te bénis pour cette situation, parce que c'est toi qui permets. Si tu as permis par ta volonté permissible, si tu as permis que je sois malade, je sais que tu vas encore me guérir, parce que tu veux que je puisse expérimenter une autre facette de toi, Seigneur. Alors, Seigneur, je t'adore. Alors, Seigneur, je te bénis. Alors, Seigneur, je te lève du haut des yeux. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu m'as créé par ton image. Tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alors, Seigneur, je te bénis. Alors, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te lève du haut des yeux. Toi, le véritable Dieu. Toi, le véritable Dieu. Toi, digne d'être adoré. Toi, digne d'être célébré. Alléluia. Yenda reboché, yekamando reboché, notre Dieu capable, notre Dieu capable, il est là la colère, il est riche à bonté. Oh, quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es là la colère. Parce que si tu regardais nos péchés, personne ne va vivre. Mais tu es là la colère. Tu es riche à bonté. Alléluia. C'est par ta bonté que nous sommes là. C'est par ta grâce que nous sommes là, Jésus. Alléluia. Nous te louons. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi le véritable Dieu, toi le véritable Dieu, tu ne changes pas. Le Dieu de Sylvie, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma fille Elena. Seigneur, je t'aime tant, oh Dieu, pour cette petite fille que tu m'as donnée. Seigneur, je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'aime tant, Seigneur. Alléluia. Oh, Shendarebo. Bien-aimé, remercions le Seigneur. Adore le Seigneur pour les enfants que tu as. Le Seigneur t'a donné les enfants. Il t'a donné ma. Dis merci au Seigneur. Louons-les même pour ça, bien-aimé. Parce que notre Dieu est capable. Il est capable de tout faire. Il est capable de protéger. Il est capable de guérir nos enfants. Il est capable de guérir nos maris. Il est capable de guérir nos femmes. Il est capable de guérir les membres de nos familles. Dieu est capable, bien-aimé. Notre Dieu est capable. Louons notre Dieu. Adorons notre Dieu. Des fois, nous sommes là, nous voulons toujours demander, Seigneur, fais-moi ceci, Seigneur, fais cela. Alors, notre Dieu aime l'adoration. Bien-aimé, adore notre Dieu. Adore notre Dieu. Élevons notre Dieu. Louons notre Dieu. Il aime la louange. Il aime d'être adoré. Adore-le pour ta situation. Adore-le pour ta situation. Bien-aimé, notre Dieu connaît ton problème. Sa parole nous dit qu'il est omniscient. Il connaît ton problème. Il connaît ce qui te tracasse. Il connaît ce qui te dérange. Louons notre Dieu. Tu vas voir comment il va changer la situation. Adore notre Dieu. Tu vas voir comment il va changer ton problème en solution. Alléluia. Adore notre Dieu.
Des fois, on a tellement souci de nous-mêmes, ça se décide même sur notre figure qu'on a un problème. Et pourtant, notre Dieu est là. Notre Dieu est là. Si tu n'arrives pas à lui demander, si tu n'arrives pas à lui dire ce que tu sens, adore-le. Dis, Seigneur, je t'adore pour ceci. Seigneur, je t'adore. Tu m'as fait grâce de te connaître. Tu m'as fait grâce d'être ton enfant. Beaucoup ne te connaissent pas. Mais moi, tu m'as fait cette grâce de te connaître. Alors, Seigneur, je te dis merci. Alors, si tu m'as fait la grâce de te connaître, si tu m'as fait la grâce de te connaître, tu te s'occuperas-tu pas de moi? Ta parole nous dit, méchants sont nos parents. Il ne donne pas du pierre à la place du pain. Combien plus forte raison, toi le sauveur, toi le créateur, toi, tu t'es donné, tu as quitté ton trône élevé, là où on t'adorait, là où les anges se prosternaient, tu as quitté cela. Tu as accepté de porter notre souffrance, tu as accepté l'ignominie, tu as accepté d'être pendu au bois pour moi. Alléluia. Adore ce Dieu bien-aimé. Adore notre Dieu. Adore-le. Adore-le. Dis au Seigneur, Seigneur, je te bénis pour ce que je suis en train de voir aujourd'hui. Je te bénis. Parce que je sais, mon Dieu, comme tu as dit aux enfants, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Ça, c'est la parole du Seigneur. Ce que tu es en train de voir aujourd'hui, la souffrance que tu es en train de voir aujourd'hui, ça ne va pas rester éternel. Parce que notre Dieu est le Dieu qui change les situations. Alors, adore ce Dieu. Dis-lui, Seigneur, merci parce que tu as permis telle maladie. Tu as permis parce que je sais que tu es capable de le guérir, de me guérir. Alléluia. Yenda reboshi. Yekamando reboshi. Yenda reba shekamando reboshinda. Yekamando robo shekamanda rababa. Yenda rebaba shekamando robo she. Yenda rababa. Yekamando robo she. Shekamanda rebobo. Hallelujah. Toi le Dieu qui sonde le cœur et les reins. Nous t'élevons, nous te bénissons. Toi qui connais notre situation. Nous t'élevons, nous te bénissons. Toi qui connais que nous sommes malades. Nous te louons, nous te bénissons. Toi qui connais que à nous-mêmes nous ne pouvons rien faire. Nous t'élevons, nous te bénissons. Toi qui sais, mon Dieu, mon roi, toutes choses, nous te louons, nous te bénissons. Aujourd'hui, nous sommes venus adorer notre Dieu. Nous sommes venus lui adorer pour toutes choses, pour toutes situations. Alléluia. Bonne ou mauvaise, nous sommes venus adorer notre Dieu. Nous sommes venus louer notre Dieu pour tout problème, pour toute chose qui nous tracasse. Nous sommes venus adorer notre Dieu. Adore-le aujourd'hui. Posternons-nous devant notre Dieu. Il est capable de changer la situation. Il est capable de changer la situation. Juste à lui, adorons. Juste de lui dire ce qu'il est. Juste de lui dire, Seigneur, merci pour telle ou telle chose. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Il est assis à la droite du trône du Père. Il intercède. Il est assis au milieu des lois de son peuple. Alors, notre Dieu aime la louange, je répète. Notre Dieu aime d'être adoré. Adore Dieu pour ta situation. Adore Dieu pour cette situation qui te tracasse. Adore Dieu. Adorons-les. Alléluia. Psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Yendara baba baba. Adore ce Dieu. Un Dieu qui prend la place d'un berger. Un Dieu. Un Éternel qui prend la place d'un berger. Alors il dit, parce que quand on dit l'Éternel est mon berger, il y a deux points. C'est pour expliquer, alléluia, comment l'Éternel est notre berger. Il dit, l'Éternel est mon berger, des points. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Yenda reboché. Notre Dieu est notre berger. Je ne manquerai de rien. Bien aimé, la Bible, quand il dit rien, c'est rien. Quand notre Dieu dit rien, c'est rien, bien-aimé. Parce que tout pouvoir lui a été donné. Notre Dieu a tout. Voilà pourquoi il a dit,
Vous ne manquerez de rien. Alléluia. Parce qu'il a tout. Il a tout, bien-aimé. Adore notre Dieu parce qu'il a tout. Louons-le parce qu'il a tout. Je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger. Alléluia. Il est là, rebouché. Ye kamando roboshinda rababa. Ye kamando roboshe kamanda rababa. Bien aimé, du fait que l'Éternel est notre berger et que nous ne manquerons de rien, adore notre Dieu. Adore-le. Dis-lui que Seigneur, je sais que je ne manquerai de rien parce que tu es mon berger. Alléluia. Nous avons tous le rôle d'un berger. Le berger est là pour assurer les brebis. Alléluia. Yendara mama mayondo roboche. Yekamanda rababa. Yekamando roboshina. Yendara bababa. Yekamanda rebobo. Yendara bache. Yekamando roboshina rababa. Yekamanda rababa. Yendarebo. Notre Dieu là. Notre Dieu là. Adore-le. C'est lui qui assure notre vie. Notre vie est assurée. Notre vie est assurée parce qu'il est notre berger. Alors adore ce Dieu qui est notre berger. Adore-le, bien-aimé. Louons-le. Il est là, il est là. Oh, alléluia. Sa parole nous dit, ta roulette et son bâton nous assirent. Quand nous voulons aller de l'autre côté, il nous ramène dans les droits chemins. Alors adore ce Dieu. Adore ce Dieu qui nous ramène dans les droits chemins. Adore ce Dieu qui assure notre vie. Adorez-le, bien-aimé. Adorons notre Dieu. Louez-le. Notre vie est assurée. Alléluia. Il a rebauché. Il dresse. La parole de Dieu, il dresse une table à face de nos ennemis. Alléluia. Yenda reboche. Yekamanda raba. Quand il dresse une table devant nos ennemis, pour que nos ennemis puissent voir comment nous devons prospérer, pour que nos ennemis puissent voir comment nous avançons avec notre Dieu. Alors adore ce Dieu bien-aimé. Adore ce Dieu bien-aimé. Louons ce Dieu. Un Dieu qui dresse une table à face de nos ennemis pour que nos ennemis puissent voir comment nous sommes guéris, pour que nos ennemis puissent voir comment notre vie a changé, comment nous sommes en bonne santé, comment nous avons eu les enfants. Voilà pourquoi des fois il y a des gens quand ils te regardent ils disent lui aussi. Alléluia. Yenda reboche. Yekamando reboche. Il dresse une table en face de nos adversaires et notre coupe déborde. Parce que quand c'est débordé, nous sommes débordés de la bénédiction de l'Éternel et que nos ennemis puissent voir cela. Alors adore notre Dieu. Dis Seigneur mon Dieu, je te dis merci parce que tu m'as béni. Si mes ennemis, ils avaient dû que je ne vais pas progresser, que je ne vais pas avoir d'enfants, que je ne vais pas me marier, que je serai toujours condamné. Seigneur, qu'ils voient. Alléluia. Yenda reboche. Yekamando reboche. Yenda rababa. Yekamando reboshinda. Yekamanda reboche. Notre Dieu est bon, bien-aimé. Notre Dieu est bon. Il est là à la colère. Il est riche à bonté. Notre Dieu est bon. Il assure notre vie. Il assure notre survie. Alléluia. Alors adore-le. Louons-le, bien-aimé. Louons-le. Aujourd'hui, c'est l'adoration. Aujourd'hui, c'est la louange. Parce que quand nous louons notre Dieu, quand nous adorons notre Dieu, il intercède pour nous aussi. Alors adore notre Dieu, lui qui dresse une table à face de nos adversaires pour que nos ennemis puissent voir comment nous prospérons avec notre Dieu, comment leur parole a échoué. Alléluia. Yenda reboche. Yekamando roboshinda. Yenda rebaba. Yekamando roboshinda rababa. Yekamando robobo. Shekamanda rabache. Yenda rekekekekeke. Mando roboshinda. Yenda rababa. Yekamando robobo.
Alléluia. Toi qui nous fais s'asseoir dans des verts pâturages. Alléluia. Nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons pour cela. Tu nous mets dans une situation confortable. Nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons pour cela. Quand nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craignons aucun mal parce que tu es avec nous. Quelle assurance que nous avons. Quelle assurance que nous avons, bien-aimé, que notre Dieu est avec nous. Que notre Dieu est avec nous. Alors, adore-les pour cela, bien-aimés. Louons-les pour cela. Quand nous traversons l'ombre des maladies, quand nous traversons l'ombre des souffrances, notre Dieu est là. Notre Dieu est là. Il nous secoue. Il nous secoue. Alors, adorons-le. Adorons notre Dieu. Dis-lui ce qu'il est, bien-aimé. Dis-lui ce qu'il est en train de faire. Même pour Psaume 23, remercions le Seigneur. Adore ce Dieu. Un Dieu miséricorde, un Dieu capable, un Dieu riche à bonté, un Dieu là la colère. Des fois, chaque fois quand je lis ce livre de Psaume 23, je suis tellement dans la joie parce qu'il y a tellement de révélations, il y a tellement quelque chose qui nous donne la confiance. Alors bénissons le Seigneur, adore notre Dieu parce qu'avec lui nous ne manquerons de rien. Il est notre berger, un Dieu qui veut être un berger. Alléluia. Yekamando Roboche. La seule objectif d'un berger, c'est le servir des brebis. Alléluia. Nous sommes les brebis de l'Éternel. Adore notre Dieu parce qu'il nous contrôle, parce qu'il nous surveille. Alléluia. Des fois, c'est pour ça, des fois, nous demandons même pas manger, mais nous en avons. Alléluia. Alors, adore notre Dieu. Ça, c'est par sa souveraineté. Ça, c'est par sa souveraineté, bien-aimé. Notre Dieu est capable. Adorons-les. Un jour, je voulais sortir pour aller acheter de la mousse pour ma fille, pour son lit. Je venais du travail. Je dis que je vais aller à Ikea pour acheter. J'avais même pas prié pour ça. Je n'avais même pas demandé. Alors que je sortais déjà de ma maison avec l'argent pour aller à Ikea pour acheter la mousse pour ma fille. Alors je vois ma voisine juste à côté et elle me dit bonjour, je t'ai vu entrer, tu sors? Je dis oui, je sors. Et puis elle m'a dit, regarde, on a acheté la mousse, on croyait que c'était grand mais c'est petit, c'est vraiment nouveau dans un sachet. Alléluia. Bien-aimé, adore notre Dieu. C'était la dimension de l'île de ma fille. J'ai regardé la dame. Alléluia. J'ai regardé la dame, j'ai pris la mousse, je suis entrée dans la maison, je commençais à prier. Bien-aimé, le Seigneur connaît nos problèmes. Notre Dieu connaît ce que nous avons comme souci. Il connaît ce que nous avons comme problème. Il est capable, bien-aimé. Adore notre Dieu. Adore notre Dieu, bien-aimé. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon, bien-aimé. Il est bon. Il connaît ton problème. Il connaît ta préoccupation. Il connaît ce que tu as comme souci. Des fois, nous ouvrons même pas notre bouche pour demander, mais il le fait par sa souveraineté. Voilà pourquoi l'importance de l'adoration, voilà l'importance de la louange, voilà l'importance de remercier le Seigneur quand nous sommes reconnaissants envers lui. Parce que l'adoration, c'est une forme de reconnaître que notre Dieu est Dieu. La louange, c'est aussi la reconnaissance que notre Dieu est capable. Bien-aimé, adore notre Dieu. Louons notre Dieu. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il connaît ta situation. Il connaît ta situation, bien-aimé. Il connaît ce qui te tracasse. Il connaît mon Dieu. Il connaît ma sœur. Il connaît mon frère. Il est capable. Adorons-le. Adorons notre Dieu. Adore notre Dieu, bien-aimé. Adore. Dis-lui ce qu'il est. Dis-lui ce qu'il a fait. Remercie-le pour ce que tu as déjà. Parce qu'il est capable. Quand nous louons notre Dieu, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il doit connaître les problèmes. Il doit connaître les problèmes qui te tracassent. Quand tu le loues, quand il est adoré, il connaît les problèmes. Il connaît, il dit, ah, je suis dans la joie parce que ma fille, elle est en train de me louer. Alléluia. Mon garçon me loue. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Il est là à la droite du Père. Il intercède. Il dit, papa, regarde-moi ces garçons. Regarde-moi ces frères. Regarde-moi ton fils.
il a besoin de ceci, il a besoin de cela, mais il m'adore. Il est en train de me dire des choses, les choses que je vais attendre. Alors fais quelque chose, papa, fais quelque chose. À ce moment-là, nous voyons que cette sœur est en train de se libérer toute seule parce qu'on a adoré notre Dieu, parce qu'on a loué notre Dieu. Notre Dieu aime la louange, notre Dieu aime l'adoration, bien-aimé. Alors adore-le. Je vous invite de continuer à adorer notre Dieu. Adore-le pour ta situation. Tu dis que ça ne va plus. Les médecins disent non, ça y est, on a fait tout. On a fait tout. Commence à lui adorer. Commence à lui dire, Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que tu as permis cela. Je t'adore pour ma vie. Je t'adore parce que tu m'as créé par ton image. Je t'adore parce que tu as voulu que je vienne dans ce monde. Je t'adore, Seigneur, parce que tu as voulu que je traverse cette situation. Et je sais, mon Dieu, mon roi, que tu es le Dieu qui guérit. Alors je t'adore pour ta guérison que tu m'as donnée. Tu commences d'abord à adorer le Seigneur avant même que tu puisses voir les choses arriver. Alléluia. Comme Anne. La parole de Dieu nous dit, quand il avait reçu la parole d'Élie, on a dit, la servante s'en alla. Et son visage n'était plus le même. Il a changé son visage avant même qu'il puisse avoir l'enfant. Bien-aimé, changeons nos visages en adoration. Changeons nos visages à la louange. Parce qu'il y a des personnes, quand il a un problème, en les regardant seulement comme ça, tu trouves que cette personne a un problème. Bien-aimé, adore notre Dieu. Adore notre Dieu. Louons notre Dieu. Il est capable, notre Dieu. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de transformer ton cœur. Il est capable de transformer ta maladie en guérison. Il est capable de Il est capable de changer la malédiction en bénédiction. Il est capable de changer la stérilité en fertilité. Il est capable. Il est capable de changer nos problèmes en solutions. Il est capable. Alors adore notre Dieu. Adorons-le. Adorons-le. Dis-lui merci pour ta situation. Dis-lui merci pour ce que tu as comme problème. Dis-lui merci. Dis-lui merci, bien-aimé. Merci au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Merci parce que tu as permis que nous puissions voir la journée d'aujourd'hui. Merci parce que tu as permis que nous soyons au travail. Merci parce que tu as permis que nos enfants se réveillent. Merci parce que tu as voulu que mon mari puisse aller au travail. Merci parce que tu as voulu que je sois à l'hôpital. Parce que je sais que tu es le Dieu qui guérit. Et je sais que tu vas intervenir, mon Dieu. Je sais que, Seigneur Jésus, tu vas intervenir. Je sais que, mon Dieu, tu vas faire quelque chose, ça je le sais. Seigneur, je te bénis parce que pour le moment je n'ai pas d'enfant, mais je sais que j'en aurai. Alors je te bénis pour cela. Seigneur, je te bénis parce qu'aujourd'hui je n'ai pas un fiancé, je sais que j'en aurai. Alors je te bénis. Seigneur, merci, merci, je te bénis, mon Dieu, pour le mariage qui va venir. Seigneur, je te bénis. Commence à bénir le Seigneur, même pour les choses que nous n'en avons pas. Alors bénissons le Seigneur, adore notre Dieu. Pour cela, il est capable, bien-aimé. Notre Dieu est capable de le faire. Il est capable de le faire, bien-aimé. Mais adorons-le. Adorons-le. Louons notre Dieu. Alléluia. Louons-le, bien-aimé. Louons-le même dans des moments difficiles. Louons-le parce qu'il est capable de changer ces moments difficiles en faciles. Alors, il est capable. Il est capable, notre Dieu, il est capable, c'est un Dieu qui transforme. Alléluia. Yenda reboshi, yekamando roboshina, yenda rebaba, yekamando robo. Toi qui dis que ça traîne, depuis que j'entends les mariages, depuis que j'entends la guérison, depuis que j'attends que ma situation puisse changer, ça traîne. Adore notre Dieu. Je dis, Seigneur, merci parce que ça traîne, parce que je sais qu'un jour tu te leveras, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. Alors Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends grâce. Oh, merci beaucoup à mes frères et sœurs d'être là. Merci d'être là dans notre marathon matinal de prière. Merci de se connecter. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour votre présence. Soyons bénis, soyons abondamment bénis de là où vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse en Angola, au Congo,
en Amérique, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de nous faire confiance. Merci du fait que vous êtes connectés. Que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, c'est le mardi. Comme nous savons tous, le mardi, c'est toujours la cellule. À 20h jusqu'à 21h, nous avons notre cellule sur Zoom. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit dans nos cellules respectives. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vraiment vous fasse du bien. Du fait que vous avez, du fait qu'il est, il est loué. Du fait que nous avons adoré notre Dieu. Alors, il est capable de changer la situation. Soyons bénis, bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment chez vous à la maison. Soyons bénis, notre Dieu nous aime, notre Dieu nous aime, ayons seulement confiance à ce Dieu, ayons seulement confiance à ce Dieu, la situation va changer, les situations difficiles vont changer, et ça sera des témoignages, nous sommes en train d'écrire nos livres, et bientôt là, le Seigneur va faire quelque chose, et on finira ces livres, que Dieu vous bénisse abondamment, au nom de Jésus, Amen.